c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing partenariat, une toile, un colis qui vient de chez DP Clubs. Donc je vais vous montrer 6 produits, j'en ai retiré un parce que j'ai eu un souci, donc je vous en parle juste rapidement, après je veux pas qu'on en parle. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant, vous savez que je suis franche. J'ai eu un souci avec YouTube et avec un artiste en particulier qui a demandé la suppression d'une de mes vidéos, donc de DP Club, parce que il y avait des toiles d'artistes et que DP Club ne rémunère pas les artistes. Voilà, donc je me suis pris un avertissement par YouTube pour violation des droits d'auteur, alors que personnellement, j'étais pas au courant que DP Club... ne payez pas les droits d'auteur, voilà. Donc, j'ai pas envie que ça fasse polémique, je vous le dis juste parce que je vais être franche. Donc, sachez que j'en ai parlé à DP Club, ils ont fait retirer toutes les toiles d'artistes, donc au moins que je connaissais, parce qu'après, je connais pas tous les artistes, moi, c'est pas moi qui vends les produits, donc je suis pas censée savoir qui ne rémunère pas les artistes. Donc voilà, je préférais vous le dire. Donc là, c'est un nouveau colis. J'ai retiré donc la toile qui poserait encore problème. Et j'ai vu avec eux pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Voilà, donc comme ça, vous êtes informés. Et je vais vous montrer, donc j'ai choisi 6 produits. Ce sont quasiment que des toiles, sauf un accessoire à diamanter. Voilà. Donc, et oui, pour finir avec YouTube, donc il m'a envoyé un mail en me disant que si ce genre de choses se reproduisait, ma chaîne serait supprimée. Donc je préfère vous avertir, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Si un jour vous ne voyez plus Hélène et le Diamond Painting sur YouTube, c'est qu'on m'aura supprimé ma chaîne. Et je préfère vous le dire parce que sincèrement, je ne suis pas idiote. Je me doute bien que si cet artiste a vu ma vidéo, c'est que une personne ou plusieurs m'ont dénoncé, voilà, alors que moi je faisais rien de mal, j'étais pas forcément au courant, mais je me doute bien que cet artiste ne regarde pas toutes les vidéos Diamond Painting, c'est que j'ai été dénoncée. Donc si ça se reproduit pour quelconque raison et qu'on supprime ma chaîne, bah pour moi YouTube c'est fini quoi. Je ne recréerai certainement pas de chaîne, ou alors j'en ferai une sur le colo pour le plaisir ou quoi que ce soit. Mais ça sera terminé parce que je commence à en avoir ras-le-bol de la méchanceté de certains. J'essaye de passer outre, mais les gens sont jaloux, méchants, et je vois pas ce que ça leur apporte de faire du mal aux autres comme ça. Franchement, je suis déçue et elles ont vraiment aucun plaisir dans la vie pour s'abaisser à faire ce genre de choses là. Voilà, donc je préférais le dire. Après, vous les abonnés, je sais que vous y êtes pour rien, donc c'est pour ça que pour le moment je garde la foi et je continue pour vous. Mais si jamais ce genre de choses réitère, pour moi YouTube c'est terminé et ça sera pas la peine de me chercher ou quoi que ce soit, parce que pour moi si c'est terminé, c'est terminé quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même tous les produits que j'ai choisis. Alors, donc au niveau des toiles, je sais même plus où j'en suis du coup. Donc, première toile. Ah oui, alors celle-ci c'est une grande toile sur le thème de Ariel. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez me dénoncer pour Disney, hein, parce que sincèrement cet artiste, on m'a dénoncé parce qu'il était sur Diamond Art Club. Mais personne s'inquiète si on paye les droits d'auteur pour Disney, si on paye les droits d'auteur pour les Gorgeous. Avant que certaines personnes viennent foutre la merde parce que certains artistes étaient sur DAC, tout le monde faisait des personnalisés, tout le monde montrait ça sur YouTube et ça posait de problème à personne. Voilà, je suis désolée, cette vidéo, elle va peut-être pas être très marrante pour vous, mais j'en ai ras-le-bol qu'on vienne nous emmerder comme ça, alors que certains, on leur pose aucun problème et qu'avant, ça ne gênait personne. Voilà, donc cette toile-ci, elle est sur le thème de Disney et plus particulièrement sur le thème de la petite sirène. Voilà, c'est la toile de l'univers de la petite sirène. Donc, elle fait 40 par 80 cm. Voilà. Donc au milieu, on a Ariel avec son prince Eric.
D'un côté, on a tout ce qui est côté mère, donc avec Cruella, avec Polochon, on a Sébastien. Je sais plus s'il y a son père ou pas. Oui, c'est son père qui est là. Je le vois pas très bien, il est un petit peu flou. Voilà, donc le roi Triton. Voilà, vous, vous le voyez mieux que moi. Et ensuite, on a tout le côté terre, donc avec le château d'Éric. Le chien, je ne sais plus comment il s'appelle. On a Eureka, voilà. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa de les mettre tous les deux. En plus, il y a un arc-en-ciel. Côté mer, côté terre. Enfin, franchement, je l'ai trouvé vraiment sympa, cette toile. J'avais un petit peu peur au niveau de la taille. Mais au final, ça rend vraiment très, très bien. Donc, voilà. Je suis très contente. Donc, je vous ai dit que c'était une 40 par 80. Je l'ai choisie en diamant rond, bien évidemment. J'ai 23 couleurs donc avec deux tableaux et les DMC sur la toile. Ensuite donc j'ai un toolkit mais un toolkit double parce que j'ai deux stylets, un énorme pain de cire et deux coupelles vertes. Voilà, donc pour faire à deux. Et ensuite au niveau des diamants, donc on a les DMC sur les sachets de diamants. Et regardez, les couleurs sont plutôt pastel, c'est vraiment très joli. C'est un petit peu multicolore, j'ai envie de dire. Et moi, je trouve ça vachement joli. Voilà, donc vu que ça me plaisait, je sais que c'est une toile qui plairait bien aussi à ma copine Lucie. Donc Lucie, si tu passes par là et que ça t'intéresse, eh bien, tu peux piquer l'idée, bien évidemment. C'est pour ça que toutes les deux, on a ouvert nos chaînes. C'est pour le partage d'une passion et non pour la méchanceté et la dénonciation. Voilà. Donc, chez DP Clubs, cette toile, elle coûte 10,35 $. Voilà, donc en plus, pour une grande toile, elle est pas chère du tout. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris trois... Alors, je sais pas, ça va être lesquelles. Je pense que c'est celle-ci. J'ai pris trois petites toiles, vous savez, avec... les diamants de différentes tailles, des petites toiles qui font un petit peu enfantin. Et j'ai pris une autre toile qui est en diamants normaux. Mais je ne sais pas si ça va être celle-ci ou pas. Oui, c'est celle-ci. Ah, je la voyais un peu plus grande. Ah bah non, c'est une 30 par 30, d'accord. Donc vous voyez, je vous avais parlé, je vous avais montré la dernière fois la toile de prof. Je vous avais dit qu'il y avait une collection avec les 7 nains. Alors celle-ci, elle ne doit pas faire partie de la collection parce qu'elle fait 30 par 30. Mais je l'ai trouvée vraiment super sympa, quoique si, pour moi, ça ressemble à prof. C'est juste qu'elle est un peu plus petite, c'est tout. Donc voilà, donc là, c'est le petit simplet en 30 par 30. Vous voyez, ça rend très très bien, il n'y a pas de souci. Il est vraiment trop mignon, voilà. Donc toujours la même chose, diamant rond, deux tableaux avec les DMC. Un toolkit de base. Et là, ce coup-ci, on n'a pas les DMC sur les sachets. Par contre, les couleurs, regardez, elles sont vraiment très vives. Ça fait vraiment pas pastel pour le coup. Là, ça sera vraiment très vif et ça sera vraiment très joli. Voilà. Je reviens un petit peu aux petites toiles comme ça. Ça me fait du bien de repartir sur des petites toiles simples en diamant rond. C'est plutôt sympa. Je regarde parce que j'entends une voiture. Non, c'est pas chez moi. C'est bon. Donc voilà, très 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 mimi ce petit simplet. Et elle est au prix de 3,35 $ chez DP Club. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'accessoire. On finira par les trois petites toiles. Donc la boîte, malheureusement, elle est complètement écrasée. Mais c'est un accessoire, vous savez, je vous en ai montré un pour ma pièce autocollant. Avec un vélo et des papillons. Et là, c'est un peu le même principe, sauf que celui-là, ça sera pour mes enfants. Hop. Voilà. Donc là, c'est des stickers beaucoup plus enfantins. C'est une... comment ça s'appelle ? Une sorte de toise, en fait. C'est pour les mesurer. Et on a les petits stickers qui vont bien avec. Donc en fait, on a la girafe qu'on met à côté. On a l'autre girafe, on a un petit arbre, enfin voilà, on peut l'agrémenter comme on veut. Là, on a les règles à mettre l'une sur l'autre et on a, vous voyez, tous les petits stickers avec les tailles, donc 60 cm, 90, 1m20, 1m40, voilà. Et en plus, on a plein d'autres petits stickers, donc super sympa pour les enfants. Les petits singes, la petite abeille, les petites fleurs, voilà. C'est vraiment super sympa.
Il y a beaucoup à diamanter, donc à part les règles là et les chiffres, tout est à diamanter. Bon, vous avez des petites zones vides comme le visage des singes ou le museau des girafes, mais sinon tout le reste est à diamanter. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de choses à faire. Et je me suis dit, ça peut être sympa, maintenant qu'ils ont une pièce palière, un petit peu de jeu, de mettre ça dans leur pièce et puis de les mesurer au fur et à mesure qu'ils grandissent. Je me suis dit que ça pourrait bien leur plaire. Voilà. Donc du coup, j'ai un toolkit de base. Et au niveau des diamants, ce sont des diamants spéciaux. Voilà, on a pas mal de couleurs, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc que des diamants spéciaux à part le noir qui est un diamant rond normal. Voilà, je vous passe vite fait les couleurs. Donc on a un arc-en-ciel de couleurs. Et après, on a des formes spéciales. Donc on a des gouttes roses, des ronds un peu plus gros jaunes, des yeux de chat verts et d'autres yeux de chat, mais d'un autre vert et un petit peu plus gros. Voilà. Donc ça change, j'aime bien quand il y a des nouveautés comme ça sur les sites. J'adore vous présenter toutes ces choses. Ça vous montre un petit peu tout ce qu'il y a, ça vous fait découvrir et j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Voilà. Alors, donc ce sticker, et en plus, il est vraiment pas cher du tout. Chez DP Clubs, il est au prix de 4,35 $. Alors, je suis désolée, hein, je vous ai laissé les prix en dollars parce que chez DP Clubs, j'ai pas encore trouvé la solution de convertir. Je vous convertis pas tout à chaque fois parce que c'est pas très compliqué. Hein. 4 $, ça fait 3-4 €, quoi, à peu près. Donc, vous imaginez, pour 3-4 €, c'est vraiment pas cher. Voilà, je vais vous montrer, regardez ce que ça donne. Donc là, c'est dommage, il y a l'étiquette dessus. Mais vous voyez, vous mettez la règle en grand comme ça. Vous mettez les chiffres à côté. Et puis après, bah, il y a tous les petits stickers qui vont un peu partout. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve ça super sympa. Et donc, les trois petites toiles en diamants spéciaux que je vous disais. Donc là, j'ai craqué. J'en ai pris trois parce que souvent, on tourne toujours autour des mêmes modèles sur les sites. Et là, ils en avaient plein de nouveaux qui me plaisaient. Donc voilà, j'ai craqué. Donc celle-ci, 18 par 18, ça me paraît grand, 18 par 18. Je n'ai pas emmené mon... Il me semblait qu'elle faisait 15 par 15, ces toiles-là. Ouais, c'est pas 18 par 18. Hein. Même le canevas, il ne fait pas 18, il fait 17,5. Donc le dessin, là, il me fait 14,5 par... Un peu plus de 14,5. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Ce sont des toiles qui font 15 par 15. Voilà. Donc, c'est des toutes petites toiles. Vous avez vu par rapport à ma main. Ça fait vraiment des toutes petites toiles. Mais je trouve ça trop mignon. Moi, perso, je vais les faire et je les accrocherai dans la chambre. Vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois. Hein, je suis assistante maternelle. Et donc, j'ai une chambre spéciale pour coucher les enfants que je garde. Je pense que ces petites toiles, je les encadrerai et je les mettrai dans cette chambre-là. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait très bébé, très enfantin. Mes enfants, ma fille encore à la rigueur, mais mon fils, il ne voudra jamais avoir ça dans sa chambre, ça c'est sûr. Ça va pas ou quoi à 7 ans, mais ça, c'est trop du bébé, quoi. Voilà, mais moi, je les trouve trop mimi. J'adore faire ce genre de toiles. Et voilà, je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc, toujours un toolkit. Et là, au niveau des diamants, bah, c'est des strass spéciaux. Hein. Je ne vais pas tout vous ouvrir. Voilà. Je vous en ouvrirai un, si vous voulez, sur les trois. Mais celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Voilà, donc petit singe, trop mignon. Le singe, il est à 2,35 $. Voilà, de toute façon, elles sont toutes à ce prix-là. Donc, vous imaginez 2,35 $, ça fait quoi? 1,50 € peut-être. Vous en avez quand même pour un moment à diamanter, hein, ce genre de petites choses. Ensuite, la deuxième. La deuxième. C'est un petit éléphant. Donc pareil, hein, même taille. Un
petit éléphant roi. C'est trop mimi, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment trop mimi. Donc, pareil, toujours un toolkit. Et au niveau des diamants, alors celui-là, je vais vous l'ouvrir parce qu'il y a l'air d'en avoir des spéciaux. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce sont des toiles un petit peu comme les nouvelles toiles cristal qu'ils appellent. En fait, c'est des mélanges de même couleur mais de différentes tailles. Vous voyez, là, j'ai un rose en trois tailles. Ensuite, j'ai un AB bleu foncé, du jaune. Et après, j'ai du blanc en trois tailles. Donc, vous voyez, du plus petit, moyen et grand. Et un rose rouge en strass spéciaux. Ça a eu du mal à sortir, mais ça y est, c'est sorti. Donc, j'aime beaucoup cet effet de mélange de tailles. Je trouve ça sympa. Et ça donne un résultat très joli, très en relief, on va dire. Voilà, c'est... J'aime beaucoup. Voilà. Je ne vais pas me justifier, j'aime beaucoup. Et sur DP Club, il y en avait différentes d'étoiles comme ça. Voilà. Et pour finir, la dernière, donc elle a un emballage différent, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne m'empêche pas de l'ouvrir. Voilà. La dernière. Oh, elle est trop mimi aussi. Si vous avez des bébés dans votre famille pour faire des cadeaux ou quoi que ce soit, c'est vraiment trop choupi, quoi. Voilà, donc là, c'est un petit ours. Trop mimi. Trop mimi. Voilà, donc pareil, hein, la même taille. On a un toolkit de base et on a les diamants qui vont avec. Voilà, donc vous voyez, c'est pareil. On a du bleu, petit, moyen et on a le grand ici. Voilà, et il y a une autre couleur que je vois au fond, c'est du argenté. Voilà, on a du jaune aussi, enfin un peu marron. Voilà, donc identique aux deux autres, 2,35 $. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que malgré mon mécontentement et mon petit coup de gueule, vous avez quand même aimé cette vidéo. Merci à DP Club de m'avoir soutenu et de m'avoir envoyé ces produits. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !